Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sleeping Dogs et pas de vêtements aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps entre les deux épisodes de m'en occuper. Donc du coup, on va tout simplement faire ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire c'est tout simplement d'aller faire la mission club... Club Bam Bam. Eh bien écoutez, on va y aller, on va prendre notre moto. Sait-on jamais qu'on en ait besoin. Et donc, Club Bam Bam, c'est certainement qu'il va falloir retrouver Amanda. J'imagine. Non, pas du tout. Get over here now. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That Hom Gartan is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Eh bien, allons-y. Et bien on va aller au club Bam Bam et on va aller régler ce petit souci. Donc c'est pas du tout Amanda, donc c'est juste qu'elle n'est pas disponible pour le moment. Ok, pourquoi tu as dérapé comme ça la voiture? La moto? Ah, attendez, parce que je suis plus dans le bon sens. Oula, la caméra qui fait n'importe quoi. Ok. Donc je pensais que c'était Amanda parce qu'on l'avait plus dans nos contacts, mais en fait on ne peut appeler les gens que à des moments précis. Baratiner le videur pour entrer dans le club. Bon, on va faire ça. Salut. You gonna let me in? What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Vraiment, ça marche? Je balance un nom au pif comme ça. Benny est dans le carré, VIP, donne-lui une bonne leçon. Est-ce qu'il va falloir le baratiner également? Hey buddy, VIPs only! What's going on in there? This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Ok, bah... Je vais parler à une hôtesse. Alors, je sais pas s'il est censé avoir de la musique ou c'est juste... Ou c'est juste parce que j'ai... coupé le son des radios. Pour pas avoir de problème avec YouTube. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but, you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Well, Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go sing. Come on. Sing me a song. Chanter au karaoké pour Tiffany. Ah. Je vais chanter les Clash. Je sais pas ce que je dois faire. C'est pas évident. Tout comme ma démo, comme ma monétisation. Ah
Je pensais que ce serait des touches, peut-être. En tout cas, il est à fond. Hein. Ouais, il est à fond dans le karaoké. Bon, ça va, on est dans le vert pour le moment, ça va. Je pense que je bouge trop vite. Je laisse. Et un petit 94%, c'est plutôt pas mal. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I'd talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Ok. Et j'imagine qu'on pourra revenir ici faire des karaokés. Il va écouter. On y reviendra sur une petite session karaoké. Peut-être que pour la session, je réactiverai la musique en mode. Je sais pas si ça passera. Il y a quand même les Clash. À mon avis, ils ont des musiques connues. Donc je suis pas sûr que YouTube. Ah, petite statuette. On va la récupérer tout de suite. Voilà. Bah, un statue même. Oh, hey, hey. Who the fuck are you? I'm looking for Benny. Hey, Benny. Yeah. Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. What, Winston? Well, that, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Ça va friter? Ça va friter. Ouh, on va pouvoir... voilà, ça va faire plaisir. Mon poisson. Vous me laissez prendre mon poisson. Vous êtes chiant. Aïe. Alors pourquoi je m'acharne sur le poisson? C'est parce que... voilà. Il y a un succès qui consiste à tuer quelqu'un avec le poisson et c'est fait. Benny, get the fuck out of here. Benny, I know you're in there. Aïe. Ok, faut spammer. Ou toi. Voilà. Attends, toi j'avais vu une autre. Voilà. Ça c'est fait. Ah, il y avait un autre aquarium. Ok. Donc voilà, c'était un des succès que j'avais vu vite fait passer. Donc, quand j'ai vu l'aquarium, je me suis dit c'est bon, le poisson, c'est maintenant. Après, j'en ai pas d'autres, donc ouais, je louperai peut-être des choses intéressantes à ce niveau. Non, toi, tu me toucheras pas. Ton couteau, tu te calmes. Ouf, carrément défoncer le sol en vert, là.
pour lui. Du coup, ça te donne une impression de puissance. Et c'est très agréable. Voilà. Aïe. Tiens, même tarif. Oh, ils peuvent esquiver les coups comme ça. Voilà. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même mieux que les premiers combats. Wrong move, Tokai. Est-ce qu'on peut mettre un mec dans les toilettes? C'est quand même la grande question. Oui. C'est absolument immonde. Du coup, ton pote aura le même tarif. Toi aussi. On les aligne. Allez, toi. Bon, j'allais dire c'est un peu plus propre parce que c'est le lavabo, mais... Relax, Benny. I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Okay. Du coup, on a pris des niveaux de triade. Ah, on est passé niveau 2. On a gagné 5 000 $, le numéro de Tiffany et les nouvelles chansons de karaoké. Alors, niveau triade, du coup, nous, on va aller là. Coup de pied en se relevant. Et pour l'entraînement de mêlée, il va falloir le ramener. C'est le moment. Retrouve-moi à l'endroit convenu dans une heure, Raymond. Donc Raymond, c'est notre contact au niveau de la police hongkongaise. You're late. Conroy's still watching me. He's got a real hard on. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Wei. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you! I do my job just fine! Well, that's for me to decide! You mean Pendrew! Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wei, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wei. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. Il est un petit peu énervé quand même, voyez. Viens au restaurant tout de suite, Winston. Ok, bon. Bon, il nous a dit tout de suite, mais il attendra, hein, tout simplement. Parce que nous, on va aller rapporter la statue qu'on a récupérée tout à l'heure. Hop là. Let's go. Ça, c'est la mission principale avec Winston. Oui, je sais que je peux changer de radio tout ça, mais de toute façon, elles sont coupées.
Allez, petit entraînement d'arts martiaux. C'est parti. I found one of your statues. Ah, the dragon. Wonderful. I understand your sister passed. She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story. I suppose. Though in light of that, your chosen career is rather interesting. To me anyway, knowing who you are. You asked me once not to lie to you. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. What would you like to learn? Et on va prendre le coup de pied circulaire. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. On peut recommencer. Voilà. Donc là, c'est trois coups. Et on maintient. I'm embarrassed for you. Ces élèves, ils prennent cher quand même. Grows by the minute. Please, stop by again if you find one of my statues. Ils sont en sang. Ils sont en sang. Ok. On a pris le coup de pied. Alors, on a deux appels qui sont possibles. Tiffany, c'est Wei. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You want to sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye-bye. Ok. Donc, j'ai pris la première qui est Tiffany. Hop, ça nous fait une petite quête secondaire. Donc ça, c'est un peu les copines comme dans San Andreas, mais dans un système beaucoup moins contraignant et moins embêtant. Et ça, c'est cool. Parce que j'aimais vraiment pas le système des copines de San Andreas. Attention madame. Alors c'est pas vos massages, c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas trop ce que c'est, mais je l'ai récupéré. Moi je vois un truc qui clignote, ça m'intéresse. Surtout si comme Amanda elle nous donne des petits bonus, ce serait pas mal. Alors où est-ce que... Ah bah oui, mais elle est dans le club. Bon. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Oui, je garde ma moto n'importe comment, mais c'est pas grave. Alors, allons retrouver Tiffany. Je ne peux pas courir. Bon, après, voilà, on n'est pas vraiment aux horaires d'ouverture là à ce moment-là. Je sais pas si ça va nous faire passer le temps. Ou alors on va juste faire du karaoké. Hey Tiffany. Oh, you're here. I've got everything set up. There's no escaping karaoke here, is there? You wanna sing first? Bon, bah deuxième séance de karaoké, c'est parti. On va faire All Out of Love, Air Supply, je connais pas, les Clash oui, mais ça non, je sais pas. Ça a l'air très calme. Chante bien, hein. C'est pas moi ça. Clairement pas.
Je suis loupé. Je regarderai s'il y a un succès karaoké. Comme ça, lors de notre session de karaoké, on se le fera. Je pense que j'essaierai de me le faire aussi avec la musique activée des radios. Le joystick. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais là en fait on est avec le joystick. Donc il faut mettre la bonne pression pour être sur les lignes intermédiaires. Et sinon il se remet automatiquement au milieu si vous lâchez. Mince. Sacré souffle. Après, on entend un petit peu la musique, donc je pense que quand même on l'a. 98%. Is there anything you'd like me to sing? No, thanks. Maybe next time. I should get going. Really? So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? That's the kind of thing clients usually want. Well, when you put it like that. Let's go sing. You ready to go crazy? I'm a pro, so try to keep up. Stand up! Les statues de Jade sont visibles sur la mini-carte. Pas mal. Quand la jauge de combat est active, Void peut désarmer les ennemis équipés d'armes de mêlée en les empoignant ou en les contrant grâce à le niveau 3 de réputation. Et bien très rentable ce petit rendez-vous. Donc, je regarde un peu ce qu'on a débloqué. Pat Benatar, Robert Palmer. Alors j'ai une culture musicale de karaoké nulle. Donc je sais pas du tout si c'est des musiques connues ou pas. Ah, j'imagine que oui, hein, si ils l'ont mis dans le jeu. Mais si c'est extrêmement connu ou pas. Donc on se fera une petite session karaoké. Ah. Attendez, là-bas il y a un hôtel. Et ça c'est Amanda hein, qui nous permet de voir les hôtels sur la minimap. Alors je pense que c'est que ceux qu'on n'a pas activés. C'est ça. Donc on va le faire. 8 sur 15, on est plutôt pas mal. La récupération des objets est très très fluide. Et ça c'est plutôt cool, on en croise assez souvent. Alors, il faut que je récupère... Pardon madame. Vous avez pas vu, je cherche ma moto. J'espère qu'elle est restée au même endroit. Oui, elle est là-bas. Ok, donc ça veut dire que peut-être les statues de Jade ne sont pas forcément que dans des missions. Peut-être les premières seulement. Et on va appeler. Yo Trent, what you got for me? I need a sports car. Let me ask the customer the specifics. I'll text them over. Cherche une Spark, va voir du côté du club Bam Bam. Trouver la Spark indiquée. Ouais, je l'ai. Ah, monsieur, il va falloir faire un constat. Hein. Amener
le véhicule dans le garage de Tran. Et ça nous enlève pas de points de police ici. Ah, on a la valeur du véhicule, donc il va pas falloir le cogner. Parce que là, on voit qu'il y a 42 450 dollars au congé. Belle voiture, du coup. Bah, une belle somme. La voiture, elle est, somme toute, assez basique, assez classique. Ah, il y a un petit hôtel là à droite. J'ai envie d'y aller, mais vu qu'il faut pas qu'on abîme la voiture, j'imagine que notre récompense de fin de mission sera d'autant plus intéressante. Si on ne l'abîme pas, elle a peut-être pris un peu de valeur avec le fait qu'il m'ait rentré dedans, mais j'étais un tout petit choc, donc je pense pas que ce soit très très grave. Ah oui, j'obtiens les 42 000. Ah oui, on se met bien. On se met très très bien. Moi, je pensais qu'on avait qu'une portion de... Citadine, une moto... Celle-ci, elle est plutôt pas mal. Ou la Neo. Ouais. Ouais, non, mais celle-ci, à mon avis, elle sera très très bien. Pour ça sera très très bien pour je peux vous prendre la voiture, c'est considéré comme un vol. Ouais, je pense pas qu'ils vont pour le moment. On aura des courses hein. On avait vu dans le dans les stats qu'il y avait des courses à faire, et bien j'ai l'impression que on a juste à aller voir Winston. Je vérifie que j'ai rien dans le répertoire. Si on a train. Looking for anything in particular? I need a coupe. Stand by for details. Faut une bisaille, il y en a du côté Aberdeen. Ok, on va aller chercher. Ah, évidemment, c'est l'autre côté. Allez, on va aller chercher la bisaille. Après, la question c'est, est-ce que c'est à l'infini ces missions ou pas du tout. Donc avant de la rendre, on regardera un petit peu... J'aurais dû tourner. Voilà. Je vais faire un accident. Non, je peux passer par là. Ok, on peut passer par là. On regardera un petit peu les services, les jobs, ce genre de choses. Pour voir si ça augmente. Attends, il sait pas ce qu'il veut lui. Là maintenant il me dit derrière moi. Mais il est bourré le GPS. On a de la météo dynamique. C'est la première fois qu'on en voit. Alors, est-ce que on va plus patiner avec la pluie ou pas? C'est bien par là. Et j'ai un petit succès puisque j'ai visité les différents quartiers. Très bien. Il y a des trucs de police à faire. Ça, ce sera plus tard qu'on s'en occupera.
Bonjour monsieur. Tenez votre voiture. Et on s'en va. Et là on a 23 200. Ah, beaucoup d'hôtels ici. Ah, mais du coup on peut les rapporter à n'importe quel garage. D'accord. Alors, comment on rentre dans celui-là? Pas ici. Je pense pas que ce soit la voie officielle, mais ça passe. Voilà. Ça c'est fait. Ah, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé la couleur d'unité. Événement terminé 5, service 9, job 5. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu à l'infini. Donc en attendant, on va finir l'épisode avec une dernière mission principale. On va aller voir Winston. Ça compte comme un accident, ça. Prends la voie rapide, tranquille. Il y a du monde. Le score monte. Et on est passé sous la barre de la vitesse rapide. Je pense qu'on a fait une quarantaine de secondes. D'avoir certainement un succès lié au temps passé sans prendre d'accident en étant en mode rapide. Ah, attends Winston. Je vais faire un petit détour. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ici? Alors ce serait là, mais ouf. Peut-être au-dessus. J'ai un coffre, mais je pense pas que ce soit ça. Attendez, je vais regarder sur la carte, qu'est-ce que c'est? Non, ça s'affiche que sur la minimap. Donc le coffre, c'est cool. Ah, petite statue. Merci Tiffany. C'est grâce à elle qu'on l'a. Du coup, on va ressortir du resto et on va déclencher la mission. Thanks. It's fucking great when you're on my side. Wait, we've been waiting for you. You guys smell something? I do.
Just a sexy galosure. You know what happens to rats, Way? Yeah, I heard. You know, Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. You're so sad! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out pop star Winston. I know he did. Oh, you're gonna do it alone. This motherfucker right here is a snitch. Is that right, Ming? You fucking rat. I sent you to pop star, but now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over pop star's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat! You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, Winston, I swear! Oh, he's a dirty fucker, man! Don't fast out, my wall! Fucking rat. Clean that up. Loyalty's important, Way. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. Ça a failli mal finir pour nous. Ok, c'était une mission sous forme de cinématique. Va chez Ping PC, prends le paquet et file au Golden Coil. Ah, attendez, j'ai eu un message. Présomption de meurtre dans le monde des courses de rue, il faut qu'on parle. Ok, on a que Tran. Ok, donc on a débloqué une nouvelle affaire de police. Donc on a eu très très chaud aux fesses. Parce que du coup, le fait d'avoir fait l'affaire de police, eh ben, on s'est mis un peu à dos. On a éveillé les soupçons, quoi. Heureusement que Way, il a de la répartie et il a présenté les choses très rapidement, sans sourciller, autrement. Mais voilà, à mon avis, on va être moindre faux pas va devenir très très dangereux. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner tout cela. Mais d'abord, nouvelle statue. I found one of your statues. Oh, the dog. Excellent. Did you enjoy your time in the States? It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. What would you like to learn? Hop, et on va apprendre le coup de pied circulaire sauté. Provoque plus de dégâts et plus puissant. Alors, il va pas être évident à placer en combat. C'est quand même 5 coups à mettre. Mais ça se fait. Les petits bruits de craquement rendent très très bien en fait l'impact des coups. Ok, le coup de pied circulaire fonctionne quand même sur plusieurs ennemis.
by again if you find one of my statues. Je crois qu'ils sont pas pressés que j'en trouve en fait, hein, vu comment ils se font défoncer. On est à 40 minutes. Est-ce que... Allez, pour terminer, on va aller faire une troisième petite chanson de karaoké. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Même en 41 minutes, on pourrait même se faire toutes les chansons de karaoké parce que c'est quand même un peu long. On va voir. Peut-être une ou deux, comme ça on avance là-dessus. À mon avis, il doit avoir un succès avec un. Faire toutes les chansons avec un certain pourcentage. Avec certaines qui doivent être plus compliquées. Pour l'instant, c'était relativement simple quand même. Et du coup, Reeling in the Years de Steely Dan. Je connais pas du. Un petit peu la musique. Peut-être un peu plus rapide celle-ci. Voilà, je fais n'importe quoi. Attendez, on recommence, j'ai fait n'importe quoi. Là. Je sais pas pourquoi je veux pas monter jusqu'en haut. Hein. Les petits effets de l'arsène là. Bien mal aux oreilles. T'abuses le jeu quand même. Je ne vois absolument pas mon pourcentage. Oh, ça va, on n'est pas trop mal. Tant qu'on est au-dessus de 90, voilà, bon, c'est bon, 96 c'est très bien, ça me satisfait parfaitement. Ok, allez, on s'en fait une dernière pour terminer l'épisode. Hit me with your best shot, Pat Benatar. Let's
Oula, je fais un peu n'importe quoi. Sachant chanter, pourrait vous les faire en même temps. Ce serait un défi pas mal hein, pour des gens qui savent chanter. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Hein. Je le rappelle, donc ne demandez pas. Voilà, moi à la limite, je peux bouger comme vous voyez. Un petit solo de guitare, mais c'est tout. Le stick des fois il fait un peu n'importe quoi, il est fatigué. Est-ce qu'on a les 90 là? Pas dire. Plutôt pas mal. Ah, mais ça n'en débloque pas. Ah bah écoutez, on va faire la dernière, comme ça on est à jour sur le karaoké, il ne manquera que les trois dernières. Peut-être qu'il y en a plus, on verra bien. Donc, Bad Case of Loving You, de Robert Palmer. Côté plus rock. Alors, la musique me dit quelque chose, j'ai déjà dû l'entendre quelque part. Bon, là c'est facile. Dommage, j'ai un peu ripé sur le joystick. Pour tout vous dire, j'ai la manette posée sur le genou, enfin sur la cuisse. Et puis je ne joue qu'avec deux doigts sur le joystick en fait. Pour être sûr de pas riper. Fois c'est injuste hein, les petits effets de Larsen alors qu'on était bien. Petit 99% voilà pour terminer l'épisode, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, ça c'était la petite activité secondaire qui est faite et qui est pour le moment en stand-by le temps que on débloque les autres chansons, peut-être avec une autre rencontre avec Tiffany ou d'autres événements particuliers. Nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode qui, encore une fois, a été pas mal rempli, hein, puisqu'on a, on a fait quand même deux livraisons de voitures, on a fait deux quêtes principales, on a fait une rencontre avec Tiffany, on a fait deux leçons au dojo, on a fait également...
Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait un petit succès également avec le poisson. Donc quand même une vidéo bien remplie. Hein. Comme d'habitude, Sleeping Dogs nous permet quand même de faire des vidéos bien denses avec pas mal de choses. La prochaine fois, donc comme d'habitude, si j'ai eu le temps entre deux épisodes d'aller récupérer les statues, les statues peut-être, mais les hôtels et les coffres, eh bien je vous montrerai ce que j'ai acheté avec tout cela. Et nous, au niveau des missions, ah, je vois qu'il y a un autre karaoké là. Peut-être qu'il y a d'autres chansons là-bas, je ne sais pas. Sinon, nous, au niveau des missions, ce qu'on fera, c'est qu'on s'occupera d'abord de la mission jaune, mort à petit feu. Je crois que c'est un service. Même si ça passe à tête, normalement, c'est une bulle de texte. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est, mort à petit feu. On ira voir l'affaire, et une fois qu'on est bien sur les affaires, on ira peut-être du côté de la quête principale. On verra si on a le temps de faire tout ça. Voilà un petit peu l'ordre de ce qu'on va réaliser lors du prochain épisode. Sur ce, j'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.